Besoin de réinitialiser votre Apple Watch? Voici comment la déjumeler de votre iPhone et effacer tout son contenu en quelques étapes simples. Vous allez découvrir comment effacer votre Watch depuis votre iPhone jumelé et comment l'effacer directement. Commençons par déjumeler votre Apple Watch et l'effacer à l'aide de votre iPhone. Tout d'abord, rapprochez votre iPhone de votre Apple Watch pour pouvoir les déjumeler. Ouvrez ensuite l'app Watch sur votre iPhone. Accédez à l'onglet « Ma montre » et touchez « Toutes les montres ». Touchez ensuite l'icône d'information. Puis touchez « Déjumeler l'Apple Watch ». Si vous possédez un modèle GPS plus cellulaire, vous devrez indiquer si vous voulez conserver votre forfait ou le supprimer. Conservez-le si vous comptez rejumeler plus tard votre Apple Watch et votre iPhone. Touchez de nouveau pour confirmer. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple. Puis touchez « Déjumeler ». Votre iPhone crée alors une sauvegarde de votre Watch avant qu'elle ne soit effacée, au cas où vous auriez besoin de la restaurer ou d'en configurer une nouvelle plus tard. Si vous n'avez pas votre iPhone et que vous ne pouvez pas le déjumeler, vous pouvez tout de même effacer l'ensemble du contenu et des réglages de votre Apple Watch, mais aucune sauvegarde ne sera automatiquement créée. Sur votre Apple Watch, touchez « Réglages ». Touchez « Général ». Puis touchez « Réinitialiser ». Touchez « Effacer contenu et réglages ». Puis saisissez votre code si vous y êtes invité. Si vous possédez un modèle GPS plus cellulaire, vous devrez indiquer si vous voulez conserver votre forfait ou le supprimer. Touchez « Tout effacer » pour confirmer et restaurer les réglages d'origine de votre Apple Watch. Ça y est, votre Watch est effacé et déjumelé de votre appareil. Pour plus d'astuces concernant l'Apple Watch, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la visionner dès maintenant.